Mon inspiration francophone. Mon inspiration francophone était le patinage artistique. Une grande partie de ma vie est le patinage artistique. Je suis patineuse dans le programme compétitif. C'est ma passion et je me pousse toujours de faire de mon mieux. À l'âge de 14 ans, j'ai posé ma candidature pour le camp d'entraînement d'été au Québec. J'étais acceptée dans le programme d'été à Trois-Rivières. J'étais super contente, mais aussi complètement anxieuse. Je savais que j'étais en immersion depuis maternelle, mais vraiment, est-ce que je suis capable de vivre complètement en français comme patineuse? Je me suis entraînée tout l'été. J'adorais ma famille Amel et j'ai fait des amis inoubliables. À la fin de l'été, j'étais offert une place dans le programme de sport-études à l'école des Estacades. Un autre défi. Est-ce que je suis capable? Cette fois, ce n'était que de patiner, mais d'aller à l'école en français. Je me suis dit, il faut essayer. Sinon, je demanderai toujours. Je suis restée. Avec ma famille, mes nouveaux amis et mes entraîneurs, c'était la meilleure expérience de ma vie. J'ai une famille québécoise que j'adore qui me rend visite à Terre-Neuve et qui fera partie de ma vie pour toujours. J'ai représenté ma province dans le défi national de Skate Canada pendant les 4 dernières années. J'ai accompli tout cela à cause de mes études en français. Le patinage artistique a beaucoup amélioré mon français et mon français m'a donné l'occasion d'améliorer comme patineuse.